Bienvenue pour un nouveau direct époustouflant depuis le Fortress Stadium. Malheureusement pour les supporters des Strikers, bien qu'on pensait le voir de retour sur le terrain après sa blessure, Chase ne fait pas partie de la sélection. Messieurs, vous devez absolument veiller sur vos arrières sur le terrain. On ne peut pas se permettre de subir d'autres blessures. Nous avons déjà un joueur de moins. Moi j'en compte deux, coach. C'est vrai, où est Klaus? Tiger a entièrement raison. Je vous présente ma toute dernière invention pour notre sécurité. Cette superbe armure. Tu te cachais, n'est-ce pas? La seule façon de ne pas être blessé par les Iron Tanks, je crois que c'est encore d'éviter de jouer contre eux. Pensez-vous que ce match sera moins physique que leur précédente rencontre, Mac? J'en doute très sérieusement, Brenda. Et apparemment, les Super Strikers partagent eux aussi mon opinion. Ils s'efforcent de se tenir à distance des tanks. Et ça semble fonctionner. Les Super Strikers ont une occasion qui s'offre à eux. Mais El Matador est à terre. S'il n'est pas en train de pavoiser, c'est qu'il doit avoir sacrément mal. Oui, le match vient à peine de démarrer. Les hommes en rouge ont déjà deux attaquants de moins. Klaus, hein? Tâche d'assurer. D'accord, coach. Plus vite! À présent, c'est les Iron Tech qui passent à l'offensive et foncent droit sur le goal des Strikers. Pour l'instant, les Strikers sortent indemnes de cette tentative. Wow! J'ai parlé un peu trop vite! Tacle raté! La balle fonce droit sur le gardien! Il arrête! Ou pas! Les Iron Tanks sont en train de clairement revenir dans le match. Et avec Shakes et El Matador en moins, coach a intérêt à avoir un as dans sa manche pour remporter ce match. Vous ne pouvez pas abandonner maintenant, Shakes. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, nous sommes enfermés dans une cellule. Allons! C'est un détail pour Shakes des Super Strikers. Non? Je vous disais que le coach aurait besoin d'un as dans sa manche, mais je crois qu'un 10 devrait suffire. Oh, génial! Shakes? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis entraîné dans un vieux temple, j'ai fait un stop involontaire dans le sous-marin des tanks, classique. Je t'avais spécifiquement demandé de déconnecter ton esprit des Iron Tanks. Mais c'est assez compliqué quand ils vous traquent à l'autre bout du monde. Je vous présente Xing. Elle m'a enseigné une technique de football très ancienne. Un excellent combien moyen de... Combien de fois faudra-t-il te le dire, Shakes? Ce n'est pas une question de technique. Maintenant, assieds-toi. Tu ne joueras pas. Eh bien, il est super flippant. Ne m'en parle même pas. Allez, Klaus. Tu peux y arriver. Allez, Lanky. Fais ce que tu pourras, Rizzo. Ne m'oblige pas à te le redire, Shakes. Je sais, je ne suis pas encore prêt. Mais quel autre choix est-ce qu'on a? Au départ, Shakes ne figurait pas dans la sélection, puis le voilà sur le banc. Et à présent, sur le terrain... Espérons qu'il tiendra plus longtemps que ses coéquipiers. On dirait que Shakes a plus des ressources qu'on le pensait, chef. Ne t'en fais pas. Il a trop peur de m'avoir face à lui. Déjà 80 minutes de jeu et le score est toujours aussi serré. Mais les Super Strikers ont encore pas mal d'énergie sous le pied. Et c'est la première véritable tentative de Shakes. Pourra-t-il faire la différence? Ou bien, les Iron Tanks le mettront-ils à terre une Voyons fois de plus? Voyons un peu comment le couche fonctionne au 21e siècle. Shakes nous offre là une parade absolument incroyable. Allez, Shakes!
Mais d'où peut-il bien nous sortir ces techniques inédites? Vas-y, Shakes! Tu y es presque! Rappelle-toi de la légende du Coujou. Il est l'heure de finir le boulot! Me manque pour qualifier ce but. Mais quelle épopée! Quelle magnifique victoire! Quel match exceptionnel! On a plutôt fait du joli boulot, non? Oui, en effet.